quand on a un peu l'impression d'avoir fait le tour dans les exercices de fitness pour travailler les cuisses, les abdos et les fessiers, on peut aussi s'orienter du côté de la piscine pour travailler tous ces muscles de façon plus globale et puis aussi pour varier les plaisirs. Je vous propose d'aller demander conseil aux meilleurs athlètes français, voir un peu ce qu'ils en pensent. Hop, hop. Donc nous voilà sur le bassin en tenue de combat pour travailler les cuisses, les abdos et les fessiers avec Romain Barnier. Donc voilà, il va falloir que tu me montres un exo dans l'eau à faire pour travailler le physique. Et tu vas voir, je vais te surprendre, c'est un exercice qui demande de ne même pas se déplacer. Tu vas rester sur place, ça va être très exigeant et tu vas découvrir quelque chose d'assez étonnant. Ok, non mais explique-moi, là j'en peux plus, c'est quoi? Alors tu vas essayer d'effectuer des ondulations verticales sans avancer, en gardant les épaules sèches, puis je vais donner quelques variantes. Mais c'est un vrai exercice que tu utilises avec les athlètes? C'est un de mes exercices préférés avec les athlètes, y compris les meilleurs sprinteurs du monde, pour travailler toute la partie coulée d'un athlète. Et tu vas voir comme ça fait travailler l'ensemble du corps et surtout celle que tu souhaites cibler aujourd'hui. Ah non, bon alors là j'en peux plus, tu me l'as trop vendu, on va pratiquer. C'est parti. Bon, on va bosser un peu les abdos, Florent. Ouais, c'est parti. Ouais, ça fait longtemps que tu n'as pas bossé tes abdos. Non, mais toi, pardon. Allez, on va te faire découvrir un de nos exercices préférés. Ouais. Pour tout ce qui est abdos, lombaires, fessiers. Ouais. Tu vas voir, c'est assez étonnant. Ça paraît facile, mais... Donc, des ondulations verticales avec les mains sur la poitrine. L'objectif, c'est de rester sur place. L'objectif c'est d'être le plus grand possible et d'avoir les épaules le plus haut possible. Alors pas complètement de l'eau, tu vas voir, sinon c'est trop dur. Plus tu fais sortir ton corps de l'eau, moins il en reste, donc ça devient infernal. Mais les épaules légèrement à la surface ou un petit peu au-dessus, et puis on va partir pour des durées longues et variées pour te faire travailler un peu tout ce que tu as besoin de travailler. Essaye d'avoir les épaules à la surface et de ne pas trop bouger tes épaules. Ça va? Bon, ça va. Tu te noies. C'est déjà difficile là? Ah la vache! Voilà, c'est bien. Moi, j'avance, moi. Ouais, parce que tu n'as pas encore la bonne technique. Tu peux commencer à les faire plus petites et un peu plus vite. Voilà. Tu commences à le sentir? Non, mais attends, je sens à mort depuis le début. Tu sens que ça bosse au niveau des abdos? Et abdos. Voilà. Et on boit la tasse aussi. Parce que t'es pas encore assez haute. Il faut que tu utilises encore plus tes abdos. Gaine un petit peu tes abdos pour être plus haute. Serre tes abdos pendant que tu le fais. Attends, pause. Alors si c'est trop compliqué, ce que tu peux, c'est peut-être essayer avec les palmes pour voir ce que ça donne. Tu vas voir, tu travailles tout autant, mais tu vas avoir cette hauteur qui fait que t'as pas les désagréments de l'eau qui peut te revenir dans le visage. Alors ça me paraît une très bonne idée. Voilà, on va essayer avec les palmes. Essayer avec les palmes. Ouh, c'est intense. Moi, j'ai pas de palmes. Non, pas. À nouveau, t'as pas de palme. Tu fais ça vraiment pour l'entraînement? Ouais, mais avec des poids en plus. Avec 10 ou 12 kilos de poids dans les mains. C'est vrai? Ouais. Donc là, on va corriger un petit peu les inégalités du fait qu'il s'entraîne souvent sur cet exercice. Avec les palmes, t'as autant de chance que lui. On va voir un petit peu si t'arrives à avoir autant de hauteur, autant de rythme que lui. Et on va faire des petites variantes d'allure. Okay. Tu vas commencer grande, facile, et puis tu vas accélérer sur des petits mouvements et revenir grande, facile, et tu vas alterner ça, tu vas voir. Okay. Allez, c'est parti. Grand et facile d'abord. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup mieux. Voilà. Avec les palmes. Rentre bien le menton, ne l'avance pas. Voilà, c'est très bien. Une bonne posture. Contracte tes abdominaux aussi pour les travailler. Ouais. Voilà, et tu doubles l'efficacité du travail. On sent voilà, énormément dans bien. Les cuisses et les abdos, c'est incroyable. Et maintenant on va le faire tout petit et vite. Et tu vas voir. Voilà. Et t'as les lombaires aussi qui s'y mettent. C'est hyper efficace. Voilà. Essaye de moins bouger ta tête comme Florent. Et on a une dernière variante si tu te sens guerrière, là, comme tout à l'heure. Sortir tes mains de l'eau en gardant tes coudes pliés. Voilà. Allez, on met les mains au ciel. Non. Allez. Et on relâche. Allez, on vient se reposer sur le mur, on a bien travaillé. Ouais, même lui était soufflé. Ah ouais, ça me rassure, ouais. C'est vraiment hyper intense. Même dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Florent, pour le premier 15 mètres de 150 mètres nage libre, la création de vitesse, il va en faire énormément cet été. C'est vrai, tu fais ça pour de vrai? Pour être plus fort et plus rapide sous l'eau, ouais. Juste après le plongeon, pour s'affaire devant les autres et avoir une petite marge supplémentaire. Ah non, c'était le secret du champion là. Qui va très bien à tout le monde parce que c'est vraiment un des exercices extraordinaires pour se renforcer et pour devenir un meilleur athlète, un meilleur nageur et qui va à toutes les disciplines.
Alors pour travailler les cuisses abdos fessiers dans l'eau, essayez les ondulations verticales, sans avancer, en gardant le haut des épaules hors de l'eau, et rajoutez les palmes pour commencer si c'est trop difficile. Donc voilà, c'était comment bosser ses cuisses abdos fessiers hyper efficacement dans l'eau. C'était hyper dur. Voilà, selon la méthode des grands champions. À plus.